Je vis en haut de la map dans une ville éloignée. J'ai grandi près de l'usine où je suis maintenant employé. Perspective d'avenir pas vraiment compliquée. T'as deux choix, soit c'est l'exil ou bien tu rentres punché. Car ici on nous engage de père en fils. Depuis trois générations, c'est comme un échange de services. La ressource et puis nos meilleures années. Contre un salaire pas si pire et un petit peu de fierté. Le monde de par chez nous, un gigue sur des rilles en défrichant le nord et la misère. Le monde de par chez nous a érigé des villes en plein cœur de l'hiver. J'ai en haut de la map dans une ville éloignée. Même le moment présent est sur du temps emprunté. Car ici tous les matins sont incertains. Un nuage sur la région qui menace nos gagne-pain. Chaque année on nous parle de fermeture. Et on dit aux travailleurs qu'il faudra serrer la ceinture. En bout de ligne t'as pas trop le choix de t'y faire. Et de te fermer la gueule face aux coupeurs de salaire. On de part chez nous a écrit son histoire. Avec ses mains sales et son cœur vaillant. Le monde de par chez nous, c'est longtemps fait avoir, c'est encore comme ça souvent. Dans une ville éloignée, dépendante d'une usine et de la loi des marchés. Perspective d'avenir pas vraiment reluisante. T'as deux choix, soit c'est l'exil ou tu restes dans l'attente. Tous les jours quand je me rends au travail, j'ai l'étrange sentiment de n'être que du bétail. Mais ce job-là, même si c'est pas le paradis, je peux pas me permettre de la perdre. Et c'est bien ça l'ironie. Le monde de par chez nous a écrit son histoire avec